Bonjour tout le monde. 23 décembre. On est mercredi, ça avance vite. C'est très bientôt Noël. Et comme tout projet, mais vraiment, pensez-y. Est-ce qu'il y a un seul projet pour lequel on n'a pas envie de faire plein de choses juste avant la deadline? Eh ben, ce projet n'y échappe pas. Je me suis dit tout d'un coup que j'avais envie de parler de sujets un peu compliqués, que j'avais envie de faire des choses différentes. Et puis je commence à faire des essais, et puis je commence à faire du refactoring, et puis je commence à modifier des choses, puis je me dis, fuck! Je suis obligé de changer le fonctionnement de comment est-ce que je conserve mes tokens. Et ça va être un gros morceau. Donc je vous propose une vidéo en plusieurs parties. Je vais pas faire plusieurs vidéos, je vais juste mettre l'enregistrement sur pause, faire quelques petites choses hors caméra, revenir, vous montrer le résultat. Je vais voir ce que ça peut donner. J'essaie quand même de faire une vidéo pas trop longue, on est d'accord que je me suis un petit peu lâché le week-end dernier. Mais mon intention, c'est quand même de partir sur une nouvelle fonctionnalité. En fait, j'ai un problème. J'ai un problème qui pour moi, enfin, en semble être un vrai, c'est que quand je vais valider un tweet, il va s'envoyer tout de suite. Donc, c'est-à-dire que je démarre ma journée, je démarre le matin comme ça, et puis je me dis, oh tiens, il est 8h20, je prends 10 minutes, je vais aller valider quelques tweets. Et je prends les tweets, je les valide et je les envoie au fur et à mesure. C'est-à-dire que je vais flooder à fond mon compte Twitter, fakeist, avec plein de fausses fake news. Ouais, on va appeler ça comme ça, des fausses fake news, c'est pas mal, hein. Et je vais toutes les envoyer d'un coup. C'est pas super intéressant pour le réseau, c'est pas super intéressant pour les partages. Je me dis que, ben, tant qu'à faire, je pourrais peut-être les envoyer à intervalles réguliers. Et pour ça, il va falloir que je fasse deux choses. D'abord, il va falloir que je crée une commande dans Symfony. Et ensuite, il va falloir que je configure en production mon serveur pour pouvoir activer cette commande-là régulièrement. L'objectif de la commande, c'est d'aller chercher juste le premier tweet qu'il trouve, qui serait à publier, et de l'envoyer. Donc, je vais créer la commande. J'ouvre mon terminal, j'ai déjà mon serveur d'ouvert encore, de toute façon vous avez vu le site, hein. Et puis je vais lancer VS Codeium. Voilà, donc il est dans le même état dans lequel j'ai laissé l'autre jour. Super. Ah ben voilà, la commande que j'avais tenté de faire, elle est encore là, mais non, je vais faire tout avec vous là. Donc git checkout point, on réinitialise. Allez, on recommence. Ah ben non, le fichier, du coup, pas de souci, on va le supprimer à la main. Allez, au revoir. Et donc, on recommence. On crée une commande. bin slash console make 2.command. Allez. Là, normalement, il va me demander quel est le nom de la commande. Ah ben voilà, le nom de la commande que je veux. Donc, le nom de ma commande, là, il me propose app. Je suis pas obligé de tout mettre derrière app, mais c'est ce qu'il y a de plus courant et j'ai pas particulièrement de raison de faire autrement. Bref, j'appelle app send next tweet. J'ai pas trouvé de meilleur nom. Vous avez vu, c'est le nom de fichier que j'avais il y a encore 10 minutes. J'ai pas trouvé de meilleur nom et je vais garder pareil. Ça change pas grand-chose. De toute façon, le nom de la commande, ce qui compte, c'est ce qu'elle va faire. Le nom est suffisamment équivoque, je pense. Parfait, il m'a créé un nouveau fichier de commande. Et en fait, une commande, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme un contrôleur. C'est comme un contrôleur, sauf qu'au lieu de le lancer avec une requête, on le lance avec son terminal. Donc, dans mon terminal, maintenant, je vais pouvoir taper bin slash console app2.send-next-tweet et ça va envoyer le tweet. Enfin, quand on aura le codé, parce que pour le moment, tout ce que ça va faire, c'est afficher le petit message comme quoi ma commande existe et qu'il faut aller la modifier. Je peux le faire, hein? Bin slash console app2. Et là, vous connaissez le raccourci? App2.s. Ça marche direct. Et là, il exécute bien ma commande. Il me dit, You have a new command, now make it your own. Ben ouais, mais en fait, bon, c'est pas le message que j'aurais voulu. Moi, j'aurais voulu un message à la fin qui dit peut-être quelque chose comme tweet envoyé. Tweet envoyé, comme ça. Mais bon, ça, c'est un détail. Alors, il y a des petites choses ici. D'abord, la description. Que fait la commande? C'est bien beau d'avoir un nom, mais j'ai aussi besoin d'une description. Donc, envoie. Ou plutôt publie le prochain tweet
accepté, mais non publié. Quelque chose dans le genre. Je pourrais avoir un argument et une option. Je ne sais pas, actuellement, au stade où j'en suis, est-ce que je vais avoir besoin d'un argument ou d'une action. D'une option, pardon. Donc, je vais juste commenter. Si j'en ai besoin, le code sera déjà là. Si à la fin, j'en ai pas besoin, je supprime mes commentaires. Ensuite, j'ai la récupération de l'argument, la récupération de l'option qui, de toute façon, n'existeront pas. Donc, pour le moment, je commente aussi cette partie. Oups, je l'ai commenté. C'est bon, j'ai appuyé sur Enter et ça a tout supprimé. Alors, j'ai besoin de pouvoir récupérer un tweet, j'ai besoin de pouvoir modifier un tweet, j'ai besoin de pouvoir envoyer un tweet. Ça veut dire que j'ai besoin de mon tweet repository, j'ai besoin de mon entity manager et j'ai besoin de mon Twitter API. Donc, je le répète, mon tweet repository, c'est pour aller récupérer un tweet, mon Twitter API pour l'envoyer, puis le Twitter API va me retourner le tweet ID. On se rappelle de ce qu'il y avait dans le contrôleur d'hier. Eh bien, je vais donc pouvoir récupérer le tweet ID, le mettre dans mon tweet et je vais vouloir flusher les modifications faites sur mon tweet. Donc, j'ai besoin du tweet repository, du Twitter API et de l'entity manager. Et pour ça, dans une commande, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse une injection de dépendance. Je vais donc créer trois variables $EM, private $tweet. D'ailleurs, lui, il va venir... il va venir avant, puisque c'est tweet et Twitter, donc E, ça vient avant I. Donc, j'ai tweet repository, repository, et c'est un point virgule qu'il faut. Et puis, private, $Twitter API. Parfait. Alors, public function underscore underscore construct, avec les accolades. Et là, quand on connaît, on sait qu'on va faire $10 flèche EM égale $EM. Ensuite, je vais faire $10 flèche tweet repository. Et il me le propose pas, c'est pas grave. Repository égale $tweet repository. Et ensuite, $10 flèche Twitter API. Twitter API égale $Twitter API. Oups. Et donc, dans le constructeur, je fais de l'auto-wiring, je me pose même pas de questions. Je vais dire que j'ai besoin absolument donc de l'Entity Manager. Donc, la classe, c'est Entity Manager Interface. Je le connais juste par cœur, hein, c'est juste à force, mais sinon, je me rappelle, il y a quelques temps, c'est genre il y a un an et demi, j'aurais fait des copier-coller depuis la doc. Et, alors que pourtant, le use de cette classe est tellement facile à retenir. Use doctrine avec un N, / ORM, / entity manager interface. Parfait. Maintenant, il me faut le tweet repository et le Twitter API. Je vais donc ajouter les use qui vont avec, tant qu'à avoir mon curseur dans le coin. Use app / repository / tweet repository. Vous avez remarqué, à chaque fois que j'essaie d'écrire tweet, mes doigts ils font WW au lieu de faire EE. Bon, c'est un détail, mais c'est pas pratique. App / service / Twitter API. Parfait. Dans mon constructeur, j'ai donc mon tweet repository. Tweet repository. $tweet repository. Ça au moins il me le propose. Et puis mon Twitter API. $Twitter API. Parfait. Alors il y a un petit truc à savoir, que apparemment j'ai oublié un point virgule, mais c'est pas de ça dont je veux parler. Il y a un petit truc à savoir, c'est que sur un constructeur, on a toujours besoin d'exécuter le constructeur de la classe parente. Ici, on étend la classe command, et dans la classe command, il y a un constructeur qui place quelque chose, qui place la config de je sais pas quoi, je sais plus. C'est pas grave, je l'avais déjà regardé, mais je m'en rappelle plus, et c'est pas important. Je sais juste que là, il va me faire une erreur pour me dire « Ah ouais, mais il manque un truc, est-ce que t'aurais pas oublié le constructeur de la classe parente ?» Bon, ben, je vais le faire tout de suite, comme ça, j'aurai pas l'erreur. Parent, 2 points, 2 points, 2 score, 2 score, construct.
Parfait. Donc on exécute le constructeur par un, on vient mettre les trois dépendances ici, on vient injecter les trois dépendances, et maintenant tout peut se faire dans execute. Première chose que j'ai besoin de faire, c'est de récupérer un tweet. Il me faut un seul tweet. Donc $tweet égale $this/tweet repository, tweet repository, flash find. Alors, je ne vais pas faire find tout court parce que ça voudrait dire que j'aurai un ID. Je ne vais pas faire un find by ou un find all parce que j'en veux pas plusieurs, j'en veux un seul. En fait, c'est find one by. Donc, il va limiter le résultat à un seul objet tweet. Et surtout, il va me permettre de faire une recherche avec les critères que je vais pouvoir mettre dans le premier argument. Et mes critères, je vais les mettre sur plusieurs lignes. J'ai besoin de sélectionner un tweet que la propriété moderated, sa valeur c'est, et si on se rappelle, c'est 0, non, c'est pas 0, non, sa valeur c'est ce qu'on a mis dans les constantes de tweet. Donc je vais donc rajouter un nouveau use pour app / entity / tweet. C'est pas pour créer des objets tweet particulièrement, c'est pour utiliser la constante qui est dedans. Tweet 2.2. Si je me trompe pas, c'est accepted. Accepted. Je vais aller le vérifier. On vérifie toujours la constante. Je l'ai donc appelée accepted. Parfait. Ah oui, en plus j'ai mis 0. Ça n'avait aucun rapport. Ah, vous voyez l'utilité des constantes. Avec la constante, au moins je sais exactement ce que j'ai. Je ne suis pas en train de m'emmêler les pinceaux avec des entiers. Bon, en même temps, j'avais écrit 0. C'était juste pour. Comment je dirais, pour l'effet de présentation. Hein. Donc, toujours est-il que je veux un tweet qui est modéré, mais dont la valeur du tweet ID, si je ne me trompe pas, ça va être ça le nom de la propriété, encore une fois, je peux aller vérifier, tweet ID, parfait. Donc, la propriété tweet ID vaut null, j'ai rien dedans. Je crois que c'est les seuls critères qu'il me faut. Un tweet qui est accepté, qui n'a pas encore de tweet ID, ça veut dire qu'il n'est pas encore envoyé. Normalement, j'ai donc ce tweet-là. Je vais pouvoir maintenant utiliser le service $this/TwitterAPI, TwitterAPI, /sendTweet, et on lui donne le texte du tweet. On lui donne pas l'objet tweet, c'est vrai que j'aurais pu le coder comme ça, mais on lui donne le texte du tweet. Alors, ça aurait été intéressant d'envoyer l'objet du tweet plutôt que juste le texte, dans le contexte où éventuellement peut-être que le tweet lui-même contenait des informations sur comment il était envoyé, sur peut-être des métadonnées. Parce qu'en fait, quand on envoie un tweet, je ne l'ai pas montré, vous pourrez fouiller l'API si vous voulez, mais il est possible de préciser la position. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer peut-être plus tard. En fait, je me dis que si un tweet est envoyé depuis les États-Unis en train de parler des élections, peut-être que là, il y a... le fameux anti-fake news de Twitter qui se met en place, alors que s'il est envoyé depuis la France ou depuis nulle part en particulier, peut-être qu'ils font rien, je sais pas. C'est quelque chose qu'on va peut-être pouvoir tester. En tout cas, quoi qu'il en soit, SendTweet, pour le moment, tout ce qu'il fait, c'est prendre une chaîne de caractères, donc je lui donne juste une chaîne de caractères. Mais dans un système un peu plus élaboré, ça aurait été plus pertinent de mettre directement l'objet ici. Bref, là, je lui donne le contenu, donc $tweet, oups, $tweet, flash get content. On est d'accord, la propriété c'est content. Non, mais parce que faut pas penser qu'on se souvient toujours de ce qu'on a fait, même si ça fait moins d'un mois. Donc c'est bien get content. Parfait. TwitterAPI, avec la méthode sendTweet, me retourne le résultat de la requête post qui a été faite. Donc je suis censé récupérer un objet, et ça c'est ce qu'on avait vu dans le contrôleur quand on envoie directement le tweet. On récupère un objet. Voilà, ici. Ah, j'avais gardé le dump. Eh ben, on va enlever ça. De toute façon, je pense que je vais pas garder cette partie-là, mais c'est pas grave. On récupère un objet. Donc, j'avais récupéré sendTweet. Et puis, ensuite, on prend le tweet et on définit son tweet ID. Donc, je vais recoder ça ici. Le résultat de sendTweet, je l'ai dans une variable sendTweet parce que j'ai toujours pas plus d'imagination que ça pour trouver un meilleur nom. Je suis pas sûr que... En fait, il y a une petite voix à l'intérieur qui me dit que je pourrais trouver mieux. Là, j'ai pas. C'est pas grave. Dans sendTweet, il y a une propriété publique qui s'appelle IDSTR. Donc, je vais prendre mon tweet, $tweet, flèche, set,
tweet ID. Et dans cette tweet ID, je lui donne le résultat de $tweet/ID_STR. Je vérifie, hein, que, parce que c'est exactement ça qu'on a fait, ID STR. Parfait. Donc maintenant que mon tweet a été modifié, ben je peux utiliser l'Entity Manager pour flusher $this/EM/flush. Voilà, c'est fait. Ça va me dire tweet envoyé. Donc ça devrait envoyer le tweet, mais vous allez voir, il y a un petit problème. C'est là qu'on va se quitter un petit moment et que je vais revenir. Donc, je disais, je vais exécuter la commande. Et là, il va s'énerver. Trying to access array of set of value on value of type null. Dans Twitter API, ligne 56. Comment ça se fait? Je vais aller dans Twitter API. Je vais à la ligne 56. Et à la ligne 56, c'est dans SendTweet. Il essaie de récupérer une clé dans access token dont la valeur est nulle. Ouais, là en fait, j'ai pas vérifié, hein, ça a été propre de le faire, hein, mais j'ai pas vérifié ce que me retournait mon get access token sur la session. Donc ici, au lieu de retrouver exactement la valeur en session, ben, je retrouve nul. Et c'est tout à fait normal, puisque j'exécute mon code PHP pas à travers mon navigateur, mais à travers la console. La console n'a absolument aucune information sur la session que j'ai dans un navigateur. Qu'importe le navigateur. Et il n'y a pas moyen de relier les deux. Donc, il y aurait quelque chose à faire. C'est là qu'on va se quitter un instant. C'est que je vais devoir complètement modifier la manière dont je stocke mon token. Je l'avais mis en session au moment où on recevait set access token in session. Voilà. On avait cette méthode-là, set access token in session. On reçoit les access tokens et on les place dans la session. Ouais, mais en fait, ben, je vais peut-être réutiliser getTokenVerifier, pas de souci. Sauf que l'access token en question, je vais devoir le mettre ailleurs en fait. Donc ça là, on refait encore la requête. C'est cette ligne là qui va changer. Je ne vais pas placer ces informations là en session. Il va falloir que je les place ailleurs. Alors, j'ai plusieurs options. Éventuellement, je pourrais peut-être écrire dans un fichier. Je trouve ça sale. Je pourrais, hein, c'est pas très compliqué. Sinon, je pensais peut-être plutôt mettre ça dans l'utilisateur. Après tout, si on désigne un certain ID utilisateur, je pense que là, il y a quelque chose à faire. Là, la donnée, elle est sécurisée, elle est en base de données. Et puis, au moment où on lance la commande, eh bien, il faudrait également aller chercher le user pour aller chercher son token, son verifier. Et là, on pourrait exécuter des commandes en tant que ce user. Sur un système un peu plus évolué, ça permettrait en ligne de commande d'envoyer des tweets, pas seulement au nom du seul utilisateur actuellement en base de données et qui sera certainement le seul quand ça sera en prod, mais peut-être au nom d'un autre utilisateur ensuite. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, j'arrête la vidéo, à tout de suite. Rebonjour. Alors pour vous il s'est passé quelques secondes, mais pour moi il s'est passé un petit moment quand même. Alors j'ai pas calculé du tout combien de temps, par contre je sais que j'ai touché du code dans tous les sens. Alors, il a fallu que je touche forcément à ma commande, il a fallu que je touche à mon service, il a fallu que je touche à plein de fichiers, vous le voyez ici. Première chose, je vous ai dit, j'avais l'intention de stocker le token et le verifier dans mon user. J'ai donc ajouté deux propriétés, API token et API verifier, qui sont des strings qui peuvent être nuls, stockés en base de données. Ils peuvent être nuls parce qu'on ne les connaît pas dès le départ. Et que, éventuellement, on pourrait avoir plusieurs utilisateurs. Alors là, je sais qu'à la fin, j'en aurai un seul, malgré mes fixtures qui en propose 5, mais bon. Les fixtures m'ont d'ailleurs aidé, je vous montrerai. Donc j'ai quand même ces deux propriétés avec les getters, les setters. L'objectif c'est que au moment où dans le OAuth controller on utilisait set access token in session, ben maintenant on va utiliser store access token. Donc pour stocker l'access token en base de données dans l'utilisateur connecté. Et ben dans mon Twitter API maintenant ça ressemble à ça. Le nom de la question a changé.
Et puis, j'ai modifié en fait la fin. En fait, tout ça, c'est pareil. Tout ça, là, c'est pareil comme avant. Et il y a ça qui a changé. Voilà. Je pense que j'avais une seule ligne qui récupérait Access Token, qui plaçait ça en session. Et maintenant, j'ai quatre lignes à la place. Alors, pour récupérer le user, j'ai eu besoin du security. À partir de la classe qui est là, que j'ai fait une nouvelle injection, j'ai donc le security qui est ici, qui m'a permis de faire cette injection. Le but, c'était de modifier le user pour ajouter des propriétés dedans. Eh ben, il fallait le flusher, donc j'avais aussi besoin de l'Entity Manager Interface. Je commence à avoir pas mal de dépendances ici et ça commence à être un peu illisible. Il y aurait une technique qui consisterait à dire bon, on va lister tous les paramètres, voilà, sur plusieurs lignes comme ça. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Faudrait que je vérifie le PSR 12R, la version rectifiée, là, pour voir est-ce qu'on met la parenthèse fermante ici ou ici. Bon, je le laisse là, mais je me pose la question. Bref, donc maintenant j'ai quand même pas mal de dépendances dans mon service et je me dis, mais heureusement que j'ai fait un service, parce que ça aurait fait quand même pas mal de choses dans un contrôleur. Est-ce que il n'aurait pas fallu que je crée une nouvelle méthode exprès qui prenne en argument l'access token et qui vienne placer ça directement dans le user? Je pense que ça, c'est comme une sous-tâche que j'aurais pu mettre dans une méthode exprès. Bon, pour le moment, je le laisse comme ça. Vous avez vu éventuellement que le SendTweet a bougé, j'en parle plus tard. Donc, maintenant, on récupère l'access token comme avant, il n'y a pas de problème. Mais au moment où on fait la connexion, on récupère l'access token. On va donc récupérer aussi l'utilisateur connecté. On est sûr d'en avoir un puisqu'on est en train de faire ce système de connexion. Donc ça, c'est sûr que de connexion à l'API, pardon. Donc ça, c'est sûr qu'on a l'utilisateur connecté à quelque part. Et je récupère donc l'access token, enfin le OAuth token, le OAuth token secret, je les place dans API token, API verifier dans mon user et on flush. C'est maintenant stocké en base de données. Je peux le voir dans mon adminer, alors que je me trompe pas de fenêtre, voilà, c'est ici. Je peux le voir dans mon adminer, j'ai bien ici mes deux clés qui apparaissent. Super. Alors c'est d'ailleurs l'occasion de voir que j'ai 5 utilisateurs grâce aux fixtures et que j'en ai qu'un seul qui est connecté. Il n'y a que King Jamal que j'utilise depuis le début. Je reviens dans le code. Mon objectif c'était de lancer une commande. Alors maintenant, ce qui a été changé, c'est le fait qu'au moment où dans l'application je vais cliquer sur connecter Twitter, ça va me permettre de réinitialiser le token et le secret dans mon user en base de données. Quand on lance la commande, il y a des petits services en plus. Là aussi, ça pourrait être intéressant de mettre les dépendances, là, tous les paramètres sur plusieurs lignes parce que je dépasse largement les 120 caractères de large. À noter que c'est pas une limite dure, que c'est une limite molle, on fait un peu ce qu'on veut avec. Mais que bon, ben 150 caractères de large, ça faisait un peu loin, donc j'ai fait des retours à la ligne. Maintenant, c'est un peu plus lisible. J'avais déjà le Twitter Repository, le $EM, le Twitter API, j'ai rajouté le User Repository, l'information sur le token et le verifier est dans mon user. Donc j'en ai un seul, il va falloir que j'aille le chercher. Donc, une fois qu'on va chercher le tweet, on va chercher le user en question et avec un find one by pour trouver un user dont le champ API token n'était pas nul, c'était pas possible facilement avec un find one by. Alors pourquoi essayer de se casser la tête à faire fonctionner un find one by? J'ai créé find activated user. Dans user repository, j'ai donc maintenant find activated user qui va me chercher un seul utilisateur, donc get single result, le premier qui va trouver, hein, dont l'API token ne serait pas nul et l'API verifier ne serait pas nul. Ce n'est pas une technique parfaite. Il y a un problème ici. Si j'ai plusieurs utilisateurs, il n'y a rien qui me permet de choisir vraiment quel utilisateur. Par contre, là, on est dans un cas où j'en ai plusieurs, mais j'en ai un seul qui est connecté. Et je sais qu'au final, j'en aurai toujours un seul qui est connecté. Donc, je devrais être capable d'envoyer comme ça. Si je veux envoyer
Selon le compte de plusieurs utilisateurs, je devrais venir changer la logique et dans la commande et dans ma méthode ici dans User Repository. Mais passons, là j'avais besoin d'un moyen qui me permette de récupérer le seul utilisateur connecté à l'API de Twitter. Dans ma commande ensuite, on utilise SendTweet, mais là, SendTweet, va falloir que dans le service, on puisse connaître l'utilisateur, et là, il n'y a pas d'histoire d'utilisateur connecté. Il n'y a pas de session. On est dans une commande. Donc, dans Twitter API, j'ai modifié SendTweet pour qu'il attende le tweet, comme avant, sous forme de chaîne de caractères, et qu'il attende le user. Donc, la partie ici qui venait récupérer le token, plus besoin. Et on utilise user get API token, user get API verifier dans set auth token. Voilà. Là, ça marche. Donc, je sauvegarde comme ça. Et maintenant, je peux envoyer des tweets. Pour de vrai, hein, ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt bien. Alors, il y a des petites choses qui manquent. C'est pas complètement propre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient me dire non, j'ai pas trouvé de user. Qui aurait une clé d'API et un secret, par exemple. Il n'y a rien non plus qui vient vérifier une fois le tweet envoyé. Pardon, c'est pas l'entité, je veux voir. Une fois le tweet envoyé, il n'y a rien qui vient vérifier qu'on peut vraiment le faire, en fait. Qu'on peut vraiment envoyer le tweet. Bon, il y a le return de SendTweet que je pourrais réutiliser, qui pourrait me permettre d'envoyer un message ou un autre. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on renvoie toujours la même chose. Alors, éventuellement, ce que je pourrais faire, si je me trompe pas, on reçoit... Oh non, en fait, ce qu'on reçoit, c'est un objet un peu différent. Il faudrait que je fouille un peu, mais le résultat de ce qu'il y a dans SendTweet... éventuellement c'est soit un objet avec l'ID, si l'ID n'existe pas, il y a peut-être quelque chose à faire pour si l'ID n'existait pas ou le ID STR n'existe pas, ben, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné, sinon ça veut dire que ça a fonctionné, il y a peut-être moyen de jouer avec ça. Bon, j'ai la flemme, mon but c'est de me faire plaisir avec le code, je pourrais l'améliorer là-dessus, mais c'est pas grand-chose. Hein. Donc, je le répète, je récupère un objet avec plein de propriétés publiques. Il y en a une qui est IDSTR. Elle existe si le tweet a bien été envoyé. Ça pourrait me confirmer que le tweet est envoyé. Si c'est le cas, je ferai les trois lignes qui sont là. Si je n'ai pas IDSTR, je pourrais retourner $IO, je pense que c'est error, pour que ça soit un message en rouge, qui écrit tweet non envoyé. Et là, il faudrait peut-être trouver un moyen de confirmer le message d'erreur correctement, expliquer ce qui se passe. Ou alors, on laisse le développeur qui utilise le projet galérer. Bref, il y a un petit défaut ici, c'est pas parfait. Dans les options et les arguments, il y a quelque chose que j'aurais pu ajouter, c'est arrêter de pouvoir préciser l'ID pour qui on envoie un tweet. Mais bon, là, actuellement, dans le projet, ben, en fait, je réalise que j'ai pas besoin ni d'arguments ni d'options. Je vois pas ce que je pourrais préciser de plus. Donc, je laisse les choses telles quelles. Ça y est, j'ai une commande. J'ai une commande. Si je fais bin/console, je vais l'écrire au complet cette fois. app.send.next.tweet. Eh bien, ça m'écrit tweet envoyé. Et quand je vais sur le compte Twitter, ici, je recharge... J'ai un nouveau tweet envoyé il y a 9 secondes. C'est merveilleux, non? Donc, ça veut dire qu'il ne me resterait plus qu'à configurer le système qui va héberger le site avec des cran tasks pour être capable de lancer bin/console app.send-next-tweet et il va m'envoyer les tweets non envoyés en base de données. Maintenant, les tweets, là, ils sont... C'est sur l'autre onglet, c'est ici. En base de données, les tweets qui sont envoyés, ils ont un tweet ID. On pourrait classer par tweet ID. Et celui que je viens juste d'envoyer qui est là, là. Alors, j'ai pas la date d'envoi. Hein. Ça, c'est une date de création au moment où le tweet a été proposé. Si je veux la date d'envoi, je peux récupérer des choses directement à partir du tweet ID. Mais bon. Et donc, ce tweet... vient d'être envoyé
Parfait. En plus, on peut savoir à peu près dans quelle ordre ils ont été envoyés. Bon, c'est cool. Le Marked as fake, par défaut, il sera à 0 pour tout le monde. Et on pourra cliquer éventuellement pour marquer certains tweets comme quoi ils sont marqués comme fake. C'est pas une fonctionnalité que j'ai développée avec vous. C'est une fonctionnalité que je ferai en off d'ici après-demain. Parce que ouais, on est le 23. Là, en fait, j'ai réussi à faire assez rapidement tout un gros chamboulement pour pouvoir envoyer les tweets de manière asynchrone par rapport au moment où je les accepte. Ça, c'est en place. Et demain, je vais avoir le temps de faire juste quelques petites perfectionnements. Vous m'avez compris. Et je vais pouvoir corriger des petites choses, je vais pouvoir faire un peu de ménage, je vais pouvoir enlever du code qui rentre trop. Et puis on sera prêt pour Noël. Ça sera en ligne et on pourra le tester et on pourra parler de déploiement un petit peu. Et on pourra surtout tester et jouer avec le jouet. Et vous pourrez vous le partager à tous et je recevrai des demandes et je les accepterai dans la journée. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve demain, l'aventure n'est pas finie. Bonne journée, à demain.